L'Écosse a souvent été réputée pour ses légendes de monstres aquatiques évoluant dans l'eau. Et c'est un bon moyen pour attirer les touristes du monde entier. Ajouter une photomontage, quelques acteurs ayant assisté à la scène, un bon journaliste et le tour est joué. Bon, bien que certaines légendes en Écosse existent autour de monstres marins, la plupart de celles-ci n'ont pas eu tellement d'impact sur le tourisme. Bien qu'heureusement, l'Écosse est pourvue de magnifiques paysages et de cours d'eau, justement, ce qui attire les touristes. Ils ne viennent pas spécialement pour les légendes, mais plutôt pour les paysages d'Écosse. Sauf peut-être la légende du monstre du Loch Ness. Le Loch Ness est un lac d'eau douce situé dans les Highlands en Écosse. Ce lac mesure plus de 56 km² et sa profondeur est de plus de 272 mètres de longueur. Grâce à sa superficie, il n'est pas surprenant d'entendre des rumeurs de passants qui verraient différentes créatures. Il y a assez d'eau et de place pour que de tels organismes puissent se développer. Cependant, une curieuse histoire va faire son apparition dans les années 90 avec une photo du moins troublante. Photo réelle ou simple piège à touristes, aujourd'hui focus sur le mystère du monstre du Loch Ness. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter le temps jusqu'en 1934, où le célèbre journal nommé Daily Mail publie une photo de ce qui semble être une étrange créature au large cou. La photo sera ensuite utilisée dans divers autres journaux comme Le Petit Parisien, journal français existant depuis 1876. La photo de cette étrange créature a en fait été prise par un gynécologue londonien le 19 avril 1934. L'auteur de la photo explique qu'il était ce jour-là en train de se promener sur les bords du Loch Ness quand soudain la créature apparut. Il explique. Le ciel venait de s'éclaircir. Après un bref orage, quand vers midi, je décidai de m'arrêter et de fumer une pipe au bord du loch. J'avais mis par hasard mon appareil photographique en batterie et m'installai à 20 mètres de là. Soudain, je vis surgir, au milieu d'un grand bouillonnement, la tête d'un étrange animal. Je me précipitai vers mon appareil, je le braquai rapidement sur la bête et pris 3 photos en toute hâte. Au moment où je prenais la 4e, la bête s'enfonça lentement sous l'eau. Son récit fut repris à de multiples reprises dans les médias et c'est à ce moment-là que l'affaire du monstre du Loch Ness prit toute son ampleur. Bon, avant de se pencher sur les détails, je vais me pencher sur la photo de plus en plus près. Ne serait-ce pas un montage cette photo ? Difficile à prouver. Bon, déjà à l'époque, il faut savoir que les montages photos n'étaient pas de très bonne qualité comparé à notre époque. De plus, le Minitel à cette époque, qui était un petit ordinateur pour l'époque, n'était pas sorti. Il sortira bien après en 1980. Quant aux appareils photo, il existait le Brownie par exemple, un appareil photo lancé dans les années 1900, mais avec une qualité cependant médiocre. Je pense plutôt que ce gynécologue a photographié l'animal avec un Brownie. Bon, en gros, le montage n'était pas vraiment facile à l'époque. Par contre, ce qui était facile était de se dissimuler dans l'eau avec une maquette de monstre, ou du moins y ressemblant. Mais j'ai encore mieux. Le monstre du Loch Ness serait en quelque sorte dû à l'arrivée d'un cirque lors d'une tournée en Écosse. Un cirque de passage fut se baigner des éléphants dans le lac du Loch Ness. Les habitants n'ayant pour l'époque jamais vu d'éléphants prirent cet animal pour un monstre marin. Et ce récit colle parfaitement car sur la photo, on peut voir une sorte de trompe ressemblant à une tête et le reste du corps de l'animal flottant. D'autres pensent également que le monstre du Loch Ness n'est que purement marketing et que cette histoire attirerait plus de touristes qui alimenteraient alors les commerces alentours. Oui, c'est normal. Mais attention, toutes ces hypothèses ne veulent pas dire que cette légende n'existe pas. Peut-être bien que la première photo du monstre du Loch Ness est vraie et qu'il s'agit de la tête du monstre. Aussi appelé le Messie, le monstre du Loch Ness aurait fait plusieurs fois son apparition. On peut retrouver bon nombre d'images sur Google, mais également de nombreuses vidéos sur YouTube. Mais encore une fois, et je me répète, attention aux fakes.
Maintenant, pour aller plus loin dans l'histoire, il faut remonter en 1972, où un pêcheur raconta qu'il vit une énorme grenouille. Difficile à imaginer quand même. Ensuite, en 1971, un prêtre appartenant à l'abbaye du Fort Auguste, non loin du Loch Ness, raconta avoir aperçu un grand animal qui s'éloignait au large. Ainsi de suite, les observations se multiplient, si bien qu'une organisation nommée Loch Ness Phenomena Investigation se créa pour récolter les observations pour enquête. Enfin, certains scientifiques ont émis plusieurs hypothèses rationnelles pour essayer de combler le secret du Nessie. Selon certaines hypothèses, faites par ces fameux scientifiques, il pourrait s'agir d'un pléidosaure, d'un esturgeon ou encore d'un phoque. Bien évidemment, malgré que la thèse du fake soit possible, des tests dans le lac ont été effectués avec différents sonars. Pour définition, un sonar est un appareil de détection sous-marine par réflexion d'ondes sonores. C'est un peu comme un détecteur de fumée, mais là c'est un appareil qui détecte les ondes, c'est tout. Avec ce système de sonar, on n'a pas trop pu prouver l'existence de ce monstre, et tout laissait penser qu'aucune activité dans le Loch Ness n'était inhabituelle. Jusqu'en 1968, où le premier écho positif fut perçu venant du lac. Un écho anormal et étrange. Il y en a eu plus de 8 entre 1954 et 1972. Aujourd'hui, on entend moins parler du monstre du Loch Ness, bien que quelques vidéos apparaissent sur la toile. Perso, je ne dirais pas que ce mythe est faux et je ne dirais pas non plus qu'il soit vrai, mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de montages accompagnés de ce mythe. On retiendra seulement que ce monstre serait pourvu d'un long cou, avec une petite tête, ainsi que d'un corps pourvu de bosses. De plus, selon les observations et estimations, cette créature mesurerait plus de 4 ou 5 mètres de long. Véritable amphibien inconnu de nos cultures ou simple forme floue. Nous n'aurons peut-être jamais les réponses à ces questions, mais grâce aux informations données, on peut déjà avoir son propre avis. C'est déjà la fin de cette vidéo sur le monstre du Loch Ness. Je suis sûr que si vous vous abonnez, vous le verrez sûrement. Vous pouvez également liker la vidéo, peut-être que cela augmentera vos chances de le voir, ainsi que de partager la vidéo. Là, je pense qu'il viendra même chez vous. Salut !